Un dimanche du carême en Pologne. Un après-midi glacial et neigeux, ou pluvieux et gris. Ou bien, surtout si la date de Pâques est tardive, portant déjà dans ses souffles une annonce du printemps. Depuis 3 siècles, en ville et à la campagne, c'est toujours le même spectacle. Les rues et les chemins menant vers l'église se remplissent d'une file de fidèles, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ceux-là même qui ont déjà assisté à la messe dominicale, dont la matinée, n'hésitent pas à reprendre le chemin de leur paroisse pour aller aux plaintes amères. Les croyants français seraient émerveillés d'écouter le Gauchequier Jallet en français. Parce qu'ils sont très profonds, les paroles sont de toute beauté. C'est une vraie poésie et c'est très touchant. Nous parlons d'un chant religieux profondément enraciné dans la tradition polonaise depuis 3 siècles. En période de carême, les fidèles éprouvent le besoin d'aller se recueillir chaque dimanche à l'église dans la méditation de la Passion pour plaindre le Christ souffrant au calvaire et se sentir se briser la dureté de leur propre cœur desséché par le péché. Il s'agit donc d'un office religieux dont la matière est constituée par un texte poétique chanté. Ce texte, dont la première édition fut publiée à Varsovie en 1707, possède une organisation interne artistiquement élaborée, très régulière, très symétrique. L'ensemble se compose de 3 parties. La première retrace les souffrances du Seigneur depuis sa prière au Jardin des Oliviers jusqu'à l'injuste accusation devant le tribunal. La deuxième, depuis son accusation jusqu'au couronnement d'épines. La troisième nous conduit jusqu'au trépas sur la croix. Chacune de ces parties est précédée d'une incitation à méditer appelée pobudka, appel. Et chacune se compose à son tour de 3 chants successifs. Un hymne, une lamentation sur Jésus souffrant et une conversation, dialogue entre l'âme du croyant et la mère douloureuse. À la fin de chaque partie, on chante à 3 reprises la brève invocation au Christ. « Toi qui pour nous des plaies souffris, prends pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. » Thank you.
Nous avons affaire à un récit qui s'avère à maints endroits très réaliste, visant à éveiller l'imagination du croyant et en même temps à toucher son cœur. Ce qui frappe, c'est l'insistance sur les images visuelles du mal corporel. La passion racontée par les plaintes est amère jusqu'au bout. À chaque moment, un moi est là, qui regarde, qui se meut, qui s'indigne ou se lamente, et ses réactions affectives se traduisent par une musique des mots parfaitement juxtaposée à la mélodie du chant. C'est ce qui fait de ces plaintes amères un acte spirituel d'une grande intensité émotionnelle. Les plaintes amères, on les chante en Pologne depuis 1707, date de la composition de cet office de la Passion. Très tôt, elles sont devenues le symbole de la piété indigène. Pendant le carême, leurs échos retentissent dans chaque église paroissiale du pays, où les croyants les chantent devant le Saint-Sacrement exposé sur le maître-autel. Les mélodies se ressemblent partout, sans être tout à fait identiques. De même, les textes qui forment le noyau de l'office sont partout presque uniformes. Néanmoins, depuis le XVIIIe siècle, ça et là, d'autres chants de la Passion sont ajoutés à l'office, selon la tradition du diocèse ou du village. Si, dans les livres de prière imprimés, on trouve des mélodies simples, dans la pratique, le chant est enrichi de variantes et de rythmes traditionnels, avec des mélismes. C'est aussi le cas de la paroisse de Kurnik, près de Poznań, qui a conservé parfaitement la couleur locale de l'office. Cette œuvre d'il y a trois siècles, profondément enracinée dans la langue et dans la culture polonaise, œuvre dont certaines séquences de mots sont entrées dans notre phraseologie, n'était pas facile à traduire en une langue étrangère. Le défi semblait quasi insurmontable. Mais la traduction française que vient de nous offrir Anna Dziewicka, professeure émérite à l'Université Jagellonne de Cracovie, a de quoi satisfaire toutes les attentes. Elle a réussi non seulement à rendre au public français la spiritualité et la poésie de ces plaintes amères polonaises, mais encore à les plier aux exigences du chant en français. Ceci grâce à un choix des mesures et des rythmes qui suscitent la plus grande admiration. Ce qui mérite d'être souligné, c'est que la beauté, la perfection formelle même, s'obtient ici sans concession importante sur le plan du contenu. Au contraire, nous avons affaire
à la traduction d'une étonnante fidélité. Une archaïsation modérée du vocabulaire donne au texte une touche légère de patine, ce qui signale l'ancienneté de l'œuvre traduite sans choquer le public français, je crois, peu habitué, comme on sait, à la présence du langage archaïsé au sein des chants religieux.